C'est bien ma fille, c'est bien Lila, c'est bien, oui ma fille. Voilà, gagne. Donc quand il, de toute façon quand il hurle, il gagne. Voilà, donc bon, bref. Voilà, Lila et Bulldog et un rire. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se revient pour une vidéo alors assez spéciale. Donc en fait c'était pour vous dire que comme quoi j'allais commencer des vidéos à nouveau sur ma chaîne YouTube. Ça, j'étais absente beaucoup et au début je faisais beaucoup d'Automé Game ou les Sims aussi, Sims 4. D'ailleurs je pense que je vais recommencer à faire les Sims 4, je pense, je suis pas sûre. Donc puis ouais, donc voilà, j'espère que ça vous plaît et tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Désolée pour si je crie tant pendant dans le micro. Je voulais vous, aussi vous dire que je suis vachement contente de pouvoir tourner cette vidéo avec vous. Et pourquoi en fait je fais sur la 3DS XL et pas sur la Nintendo Switch ou d'autres consoles ou sur le PC, parce qu'en fait je voulais tout simplement refaire en fait sur la 3DS parce que j'aime beaucoup les jeux certains de la 3DS. Donc du coup voilà, donc là c'est la version Nintendo 4, donc c'est la version Bulldog français, donc voilà. Et sinon j'ai cette version là, mais celle là c'est plutôt une partie, je sais pas si vous avez là, la version caniche. Donc voilà, donc voilà, et vous aurez beaucoup de plus de vidéos plus souvent sur ce jeu, sur les jeux comme ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire parce qu'en fait je ne trouve plus énormément de vidéos sur Nintendo 4 plus 4 parce que les récentes, je trouve beaucoup des anciennes vidéos et je trouvais ça sympa de me redonner, ça m'a donné envie de refaire des vidéos. Et aussi j'étais beaucoup absente parce que niveau personnel, ça n'allait pas trop, aussi à cause du boulot et tout ça, voilà, etc. Donc du coup on va commencer la partie. Donc j'espère que ça vous plaît les deux écrans. Si je vois que c'est trop moche avec les deux écrans ou c'est trop galère, j'enlèverai et je mettrai juste l'écran du haut. Voilà. Voilà, je lance le jeu. Je vais mettre un peu plus fort du coup vu que maintenant voilà. Parce qu'avant je voulais pas qu'on entende. Ah ok. Voilà. Donc voilà. Je les ai pas appelés. Donc en fait c'est pas mes chiens, c'est pas mes chiots, c'est voilà, c'est en fait un jeu que j'ai acheté d'occasion sur Vinted parce que j'aimerais avoir les trois jeux différents. Donc il y a le Bulldog français, il y a le Caniche et le Golden Retriever. Et là j'ai acheté lui récemment, donc je l'ai reçu hier. Mais Rio, Clax, Pats. Donc en même temps on va faire un tuto comment supprimer. On va juste voir leur fiche. Alors, corps maigre, affamé, déshydraté, sale. Et une femelle très curieuse qui ne fait qu'à sa tête. Ok. Lui. Dodu. Affamé, déshydraté, sale.
Une femelle gentille avec tous les mondes inconnus compris. Voilà. Et lui, c'est elle aussi, c'est une femelle. Pas rien que des femelles. Une petite fripoune à l'esprit très vif. Ok. Je vais juste voir quelque chose. Pas malade. Là. Voir si elle avait pas d'autres chiens, en fait. La personne qui me l'a revendu. Je suis vraiment curieuse. Elle va faire un échange. Ouais, elle avait un chat. Chaussette. Chaussette. Voilà. Elle avait un chat. Donc, on va se supprimer sa partie. On va juste voir encore vite fait sa galerie. On va dire un peu les affaires qu'elle avait pour ses chiens. Donc. Ok. Vous voyez, on voit un peu ce qu'elle avait comme affaire pour eux. Voilà. Bon. Et elle était assez pauvre, hein, en vrai. Hein. Donc, du coup, on va supprimer cette partie. Donc, pour ça, je vais juste mettre moins fort. Donc, on va quitter le jeu. Voilà. Et du coup, là, il faut appuyer sur touche A, B, A, B. A, B, ben, toutes les touches là, là, ici, de côté. Et comme ça, on voudrait prendre une photo. Donc, vous allez faire démarrer. Et vous appuyez. Et normalement, il y a un message qui devrait s'afficher. Réinitialiser le fichier de sauvegardation. Oui. Vous voulez-vous vraiment effacer le fichier de sauvegardation? Une fois effacé, les données ne peuvent pas être récupérées. Oui. Réinitialisation du fichier de sauvegardation. Le fichier de sauvegardation a été réinitialisé. Voilà. Là, on peut commencer notre partie. Donc, franchement, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Attendez, je vais mettre un peu plus fort. Parce que sinon, vous entendrez pas. Donc, voilà. Donc là, on peut caresser une petite boubouille. Voilà. Bienvenue dans l'univers de Nintendo Scat. Vous trouverez chez nous un nombre incroyable de chiots. Ils sont tous adorables et ne demandent qu'à être adoptés. Essayez de trouver celui qui vous convient le mieux. Voilà. Donc là, on a les boules de français, etc. Vous voyez, dalmatien. Moi, je vais partir sur un bulldog français. Plus sur du noir et blanc, du classique. Donc, voilà. Donc là, c'est un tout classique. Mais je veux pas comme ça. Alors, lui, il est mignon, lui. Donc, une femelle douce et sympa. C'est panda très évelle. J'ai pas très bien vu là. Une femelle douce et sans ses bons. Ouais. Une autre. Il y a lui. Je pense que je vais aller dans les surprises aussi parce que voilà. Une femelle douce et sans ses pendants très éveillés. On va aller dans surprise, on va voir ce qu'il nous donne. Il est pas mal, le tout noir aussi. Emma possède et vivement intéressée par par la découverte du monde qui l'entoure. Voilà. Il est très mignon. Et lui. Il y a lui aussi qui est très mignon.
Alors, une femelle calme et gentille que tout le monde apprécie. Je pense qu'on va prendre elle. Voilà. Voulez-vous adopter ce chiot? Oui. Super, vous avez... Super, vous avez un nouveau chiot à l'aide de ce jour. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie pour vous deux. Amusez-vous bien ensemble. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est la première fois que je mets en route le jeu. Donc c'est pour ça qu'il y avait encore l'ancienne partie de l'ancienne propriétaire du jeu. Votre chiot découvre sa nouvelle demeure. Il va lui falloir un peu de temps pour s'habituer à son nouveau environnement. Essayez-vous de passer un peu de temps ensemble dans votre salon. Donc voilà, désolée si je lis pas, c'est ma lecture elle est pas parfaite. De toute façon, elle sera jamais parfaite. Donc voilà. Donc du coup, on va l'appeler. Voilà. Donc elle a vachement peur, hein, vous voyez. Et on va la caresser. Donc, je vais essayer que mes doigts ne passent pas trop dans la caméra, juste le stylet, parce que je sais que ça peut déranger. Je sais que pour certaines... Oh là là, on voit mes doigts, j'aime pas ça. Je sais que pour certaines personnes, ça dérange. Voilà. Ben oui, mon cœur. Ben ouais. Bon, de temps en temps, je regarde combien ce qui se passe à la caméra. Moi, je regarde de côté. Hein, sinon, c'est pas... Oh là là, ça bouge. Le carton, il bouge. Sinon, pas possible, quoi. Voilà, on va essayer autre chose. Je vais juste recadrer parce que. Hop. Alors, inventaire, donc on a de l'eau. Donc si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir votre gamelle d'eau en fait. Moi j'aime bien aller choisir la petite coupelle. Voilà. Et pour le manger. Celle-là. On va donner à boire une fois. Voilà. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Voilà. Et je suis encore vachement désolée si j'étais absente pendant un petit moment sur tout simplement sur YouTube. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc aussi on fera en sorte. En sorte que je poste plus régulièrement, donc là en fait que vous puissiez suivre assez régulièrement l'aventure. Donc aussi, si vous voulez suivre plus facilement l'aventure et régulièrement, ça se passera sur TikTok. Donc je vous donnerai mon lien TikTok que j'ai créé pour ça, pour la chaîne YouTube. Donc du coup, si vous voulez suivre l'aventure du chien, vous pouvez. Donc voilà, vous pouvez suivre l'aventure du chien. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif de ça. Donc du coup, par exemple, si par exemple tous les jours je vais m'en occuper, ça c'est sûr, ou peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours, ou dès que j'ai le temps, je m'en occuperai, mais je pourrais pas tout le temps faire une vidéo juste pour quelques minutes, tu vois. Donc la base. Donc du coup voilà, là je suis en train de réfléchir pour un nom, parce qu'il faut bien qu'on réussisse à lui donner un petit nom. Votre chiot semble être un peu plus à l'aise au fait avez-vous réfléchi
un nom pour cette femelle. Il est temps pour vous de lui apprendre de. Voilà. Il est temps pour vous de lui apprendre ce nom de vive voix. Voilà. Sultan, Capucine, Chaussette. Si vous avez des chiots à un nom, touchez enregistrer. Donc là, je suis en train de réfléchir. Et c'est une femelle, donc comment je pourrais l'appeler? Lila. Lila. Ouais, Lila. 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 Désolée, je vous crie dans les oreilles. Lila. Elle a retenu son nom, nous allons de l'oublier. Lila. Lila. C'est comme ça, je crois, non? Ah non, attendez. Lila. Oh, hop. Lila. Voilà, j'aurais dû mettre en majuscule. Désormais, elle réagira lorsque vous l'appelez. Appelez-la et essayez de prendre une belle photo d'elle. Bon, bref, je vais pas tout vous lire tout le temps. Donc, elle est trop, 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 trop mignonne. Donc, si, après, si vous intéresse, je pourrais une fois faire une vidéo sur la partie que je fais, que j'ai sur ma cartouche là. Voilà. Sur cette cartouche là. Voilà. Si ça vous intéresse. Donc, est-ce qu'on peut voir maintenant sa fiche? Non, on peut toujours pas voir sa fiche. On peut jouer un peu la baballe avec elle. Voilà. Je sais pas si ça voudra jouer. Il est déjà un peu tard, hein. Donc voilà, ça fait 16 minutes que je tourne, à peine. Y a ma fille. Allez, Lila. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ces jeux-là. Je trouve vachement bien. Donc je joue encore beaucoup à la DS. Hein. Moi, je vous avouerai, je joue beaucoup à la DS. C'est facile à transporter et tout ça. Même si j'ai la Nintendo Switch, c'est vrai que la DS, j'aime encore énormément d'y jouer. Parce que je trouve ça dommage qu'ils ont pas justement fait pareil pour la Switch en fait ce qu'ils ont fait pour la DS le même jeu. Lila, Lila, tu viens Lila, Lila, elle joue, Lila. Lila, viens. Voilà. Donc, elle est venue. Maintenant que vous avez passé du temps ensemble, elle s'est habituée à vous. Il est temps pour elle d'apprendre à s'asseoir. Elle s'assoit. Assis.
assis. Assis. Assis. Ou pour ce genre de trucs, pour le dressage, je pense qu'aussi quand, par exemple, je lui apprendrai un nouveau tour, je le ferai avec vous. Donc, je pense que je le ferai avec vous quand j'apprendrai des nouveaux tours. À voir. Donc voilà, j'espère que ce format-là vous plaît, hein, honnêtement. Assis. Dis assis. Assis. Voilà. Et voilà le travail. Désolée si je crie dans le micro. 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 Audio. Micro. Vous allez désormais pouvoir lui apprendre de nombreux autres tours. Accéder au statut de votre chiot pour consulter les rules de dressage. Bref, je vais juste sauvegarder parce que moi je me connais. Hein, donc voilà. Alors, sa fiche en fait, on peut la voir là. Corps équilibré. Donc, on va essayer de garder équilibré. Alors, rassasié, désaltéré, propre. Une femelle calme et gentille que tout le monde apprécie. Voilà. Et dans ces tours, ben, concours et tours, ben, assis quoi. Donc, en total, ils peuvent apprendre, je crois, 9 tours, je crois, si je m'en souviens bien. Donc voilà, on va aller là balader pour lui apprendre justement. À faire ben, apprendre aux choses, donc parce qu'en fait c'est comme dans la vraie vie en fait. Voilà, donc dès qu'il y a un coin d'herbe, vous la mettez où il y a de l'herbe et ainsi de suite. Donc voilà, donc j'espère franchement que ça vous plaît ce format de vidéo. Voilà. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent en fait. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez me suivre sur YouTube et quand savoir, je ressors par exemple sur YouTube, sur TikTok. Par exemple, si vous voulez savoir, je sais pas moi, vous voulez savoir quand je sors une nouvelle vidéo sur YouTube. Et autres. Donc, comme je vous ai dit, quand j'aurai aussi peut-être le Golden Retriever, je vous ferai des vidéos sur le Golden Retriever. Moi, je vous en ferai pas tout le temps. Je ferai pas un gros suivi dessus comme quand je vais vous aussi vous présenter ma cartouche caniche, parce que honnêtement dit, la cartouche caniche, je le fais dans mon coin, tu vois. Donc, Golden Retriever, je pense aussi. Il y a vraiment juste lui où vous allez bien suivre en fait. Parce que le Golden Retriever, je ne l'ai pas encore. La cartouche, je dois l'acheter. Et je pense que je vais le prendre d'occasion. Donc on va faire une petite photo. Voilà. Donc on va ouvrir le petit cadeau. Donc on a trouvé un collier en cuir noir. Voilà. Donc désolé si vous m'entendez un peu fortement. Et je me suis pas installée à l'aise, hein, moi je vous le dis, vachement pas à l'aise du tout. Donc ce qui ça va, j'ai de la marge en fait, je peux regarder sous l'écran en fait, ça c'est ce qui est bien. Voilà. Faudra aussi s'entraîner pour les compétitions, donc les compétitions et tout ça. Parce que faudra bien faire des compétitions avec eux pour gagner de l'argent pour qu'on puisse les nourrir. Donc voilà. Elle fait pipi. Voilà. Faudra aussi les apprendre à pas fouiller dans les poubelles de rue. Parce que parfois il y a des poubelles par terre dans la rue. Voilà.
Mais je vais faire ça si ça vous plaît vraiment. Hein. Voilà, avec la crotte pour ramasser. Pour aller de travers une nouvelle caméra. Caméra, j'ai un peu de travers. Il avance. Donc voilà. Allez, allez, on rentre mon grand. Ma grande. Allez, on rentre ma grande. Lila. Allez, on rentre Lila. Voilà, 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 de retour chez vous. Voilà. J'ai cru qu'elle boitait. Du coup, voilà. On pourrait faire quoi? Donc, moi, je regarde souvent la fiche pour savoir si elle a soif ou faim, peu importe. Du coup, en dessous, j'ai que 420 euros. Voilà. Non, ça, je voulais pas. Je me suis trompée de touche. Non, ça change pas. Par contre, c'est 15 000 trucs, ok. Allez. Donc, voilà. Pourquoi je retournais dans sa fiche? Lila, il y a ma fille. Oui, c'est ma fifi. Donc voilà. Oui, oui, c'est ma grande fifi. Bon, oui. Oh, c'est une babouille. Mais oui. Ah, ça veut pas. Ça m'énerve quand ça veut pas en vrai. Elle veut pas. Hein. Donc on va aller acheter des brosses et tout ça. Donc voilà, on va acheter de quoi la brosser et des friandises. Donc on a déjà du choix. Alors en croquettes on a ça et en friandises on a ces deux sortes. On va en prendre quelques-uns de ces sortes, de cette sorte-là. Et quelques-uns de cette sorte-là. Voilà. Et on va prendre une brosse. Donc, il y a deux brosses pour chien et deux brosses pour chat. Donc, ça, c'est poil long, poil court. Nous, on a un chien à poil court. Donc, on prend une brosse à poil court. On va voir ce qu'ils vendent. Ils vendent un œuf, des balles. Frisbee, autour. Donc, voilà, on va pas trop acheter de jouets, on va plus s'occuper de son pelage. Donc voilà, c'est important aussi. Donc ça va créer un lien. Donc Lila, tu viens ma fille? Oui, c'est bien. Donc ça va, il n'y a pas mes chiens à la maison parce que si j'aurais eu mes chiens à la maison. Ben, pour vous dire en tout cas que ils seront venus, même si ce ne serait pas leur nom. Donc là, on brosse. Voilà. Allez, elle aime ça. Donc voilà. Donc on la brosse. De temps en temps, n'hésitez pas à faire ça. Hop.
Merde, et ça veut pas. Voilà. Désolée. Voilà, ça me suffit. Oui. Voilà. Donc, on va aussi acheter tout ce qui est pour compétition. J'ai oublié. Donc, comment on peut faire de la compétition? Donc, on va acheter. Ça retourne. On va acheter les rollers. Le roller. Et il n'y a pas la couleur que je veux. Bon, bref, on va acheter le rouge. Acheter. Oui. Donc, on achètera plus tard les frisbees. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça fait 30 minutes quand même. On va sauvegarder. Voilà. Voilà, on va sauvegarder pour pas perdre notre partie. Donc du coup, voilà, donc je pense pas que ce sera sur cette partie la compétition parce qu'en fait il faut entraîner le chiot. Donc en fait il faudrait que je jale de nouveau. Bah vous savez quoi, on va essayer de trouver un terrain d'entraînement. Donc on va nouveau aller la promener parce que c'est là le moment là où on peut l'entraîner. C'est que si on trouve un terrain de pendant la promenade qu'on trouve la pancarte où on peut faire justement aller s'entraîner. Ouais, parfois c'est pas facile donc. Voilà. On va essayer de faire une petite compétition avant de. Avant de. Tout simplement. Avant de. Par contre, ça non. Allez, non. Non. Allez. Non, toute lèvre. Donc là, il y a un petit cadeau, on va aller le récupérer. Voilà. Hop là. Donc, ouais, bon, un porte-clés en cuir. Donc voilà. Bon, là il y a un autre chien là ici, mais du coup on n'a pas réussi à le croiser parce qu'elle a tracé tout droit. Mais je pense pas qu'on va croiser pour le moment. Un coin pour s'entraîner, parce que je crois qu'il faudrait faire une première fois sans, je crois, si je m'en souviens bien. Donc voilà. Mais on verra. Mais désolé si parfois je sais pas quoi dire, parce que justement, parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà. Je joue avec vous, mais je sais pas quoi dire. Donc voilà. Non. Allez, non, tu sais très bien que t'as pas le droit. J'aime pas quand les chats ils se roulent dedans parce que ça les salit. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage, hein, de pas trop, trop faire ça, quoi. Donc donc là, on va voir. De toute façon, bonsoir. Des fois, il me suffit de regarder Jivier fixement pour qu'elle se rapproche. C'est le début d'une grande amitié entre Lila et JPL. Voilà. Encore un petit pipi.
avant de rentrer. Donc voilà, mais je pense pas que ce sera pour aujourd'hui la compétition, je sais pas. T'avances? Allez ma fille. Voilà, c'est bien ma fille. C'est bien ma fille. On est rentré de balade. Je vais lui donner à boire. Petit compagnon semble avoir très soif. Ma vie, c'est ce que je voulais faire de toute façon. Voilà. Ah oui, elle a soif à ma fille. Hein. Elle a très 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 soif hein, là. Voilà. Après, on va quand même essayer de faire une compétition, même si elle n'est pas entraînée. Mais je sais pas. Voilà, concours junior. Voilà, je vais juste mettre moins fort là parce que le concours fait quand même assez de bruit. Désolée, il y a mon bracelet qui se frotte parfois à la vitre de ma table. Bienvenue à la queue. Cours de junior de la concours au leur qui franchira en premier la ligne d'arrivée de cette œil qui est épreuve de vitesse. Tous les yeux sont rivés sur Lila et nous sommes impatients de voir leur performance dans cette épreuve. Voilà, mais de toute façon, je vais pas tout vous lire chaque fois. Voilà. Allez, ma fille. Allez, oui. C'est bien, ma fille. Punaise. Eh, c'est une championne, hein? Allez, c'est bien, ma fille. Oh, c'est bien, Lila. C'est bien, oui, ma fille. Bon, elle a gagné. Donc, de toute façon, quand il gagne. Voilà, donc, bon, bref. Voilà. Lila et Boulou Dog et... Un récompense de 100 euros l'heure et des 100 années. Félicitations. Il doit désormais être possible pour Lila de participer à la coupe amateur. La coupe junior de la course au leur est terminée. Ici, terminé. À vous le statut. On a gagné 100 euros. Donc, du coup... Donc, il demande de faire une pause quand on joue, en fait, une pause à un certain temps. Voilà, donc, on a 400 et quelque chose. Parce qu'avant, on n'avait que 300. Parce que j'ai dû dépenser de l'argent. Donc, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu de se faire de cette petite vidéo avec vous. En plus, on a filmé 38 minutes. J'ai filmé 30 minutes. 30 minutes avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous, bisous, bisous.